Conseil pour la pratique de Maître Wanchi Shogaku. Le champ de la vacuité sans limite est ce qui existe depuis le tout début. Vous devez purifier, guérir, moudre, ou écarter toutes les tendances que vous avez fabriquées et transformées en habitudes comportementales. Alors, vous pouvez résider à l'intérieur du cercle clair et radieux. La vacuité absolue n'inclut aucune image. L'indépendance véritable ne repose sur aucune chose. Faites grandir et illuminer la vérité originelle sans vous préoccuper des conditions extérieures. De même, il nous est dit de réaliser que rien n'existe vraiment. Dans ce champ, la naissance et la mort n'apparaissent pas. La source profonde, transparente jusqu'au tréfonds, peut irradier de sa lumière et peut dialoguer sans encombre avec le moindre grain de poussière sans devenir son complice. Cette subtilité de voir et d'entendre transcende toute couleur et tout son. Toute cette démarche se passe sans laisser une quelconque trace et sans obscurcir aucun miroir. De façon très naturelle, l'esprit et les dharmas surgissent et s'harmonisent. Un ancien maître dit que la non-pensée établit et remplit la voie de la non-pensée. Établissant et remplissant la voie de la non-pensée, finalement, vous pouvez vous y établir. Poursuivant cette voie, vous êtes capable de guider l'assemblée des disciples. Assis en silence, les pensées transparentes, promenez-vous au centre du cercle des merveilles. C'est ainsi que vous devez pénétrer la voie et l'étudier. La pratique de la réalité véritable est simplement de s'asseoir sereinement dans l'observation silencieuse intérieure. Lorsque vous avez approfondi cela, vous ne pouvez être chamboulé par des causes et des conditions extérieures. Cet esprit vide, largement ouvert, vous illumine de façon subtile et juste. Rempli de votre espace intérieur, soyez satisfait, sans être perturbé par le désir d'agripper quelque chose. Dépassez votre comportement habituel et réalisez le soi qui n'est possédé par aucune émotion. Vous devez avoir l'esprit large, entier, sans compter sur les autres. Un tel esprit de droiture et d'indépendance
peut commencer à ne pas poursuivre des situations qui dégénèrent. Vous pouvez résider dans cet état et devenir juste, pur et lucide. Lumineux et pénétrant, vous pouvez immédiatement retourner à l'action, vous accorder avec toute chose, faire face aux événements et les gérer. Rien n'est caché. Les nuages flottent gracieusement sur les sommets. Le clair de lune irise les torrents qui dévalent les montagnes. Toute la place est irradiée de lumière et spirituellement transformée, entièrement libérée et manifeste une claire interdépendance, comme la boîte et le couvercle, ou la rencontre des deux pointes de flèche. Persévérant, cultivez et nourrissez-vous vous-même, de façon à établir solidement maturité et à réaliser stabilité. Si partout vous vous trouvez en accord avec une parfaite clarté, et si vous faites preuve de souplesse, sans être dépendant de doctrine, comme le buffle blanc ou le chat sauvage, vous pouvez être appelé une personne à part entière. Ainsi, entendons-nous que la voix de la non-pensée agit, mais avant de la réaliser nous-mêmes, nous nous trouverons encore face à de grandes difficultés. Vaste, se projetant au loin et sans limite, pur et resplendissant de lumière, cet esprit est sans blocage. Son éclat ne resplendit pas à l'extérieur, mais peut être dit vide et intrinsèquement radieux. Son éclat, de lui-même purificateur, transcende les causes au-delà du sujet et de l'objet. Subtil tout en étant préservé, illuminé et vaste, il ne peut être exprimé comme être ou non-être, ou faire l'objet de discussions en termes d'image ou de calcul. Exactement là, en son milieu, le pivot central tourne, le passage s'ouvre. En harmonie avec lui, vous réagissez sans effort et accomplissez sans gêne. Partout, tournez également librement, sans suivre de conditions, sans tomber dans des classifications. Affrontant tout, abandonnez et atteignez la stabilité. Demeurez avec cela, juste comme cela. Demeurez avec ceci, juste comme ceci. Ceci et cela sont mélangés sans discrimination, comme ils sont chacun à leur place. Alors il est dit que la terre soulève la montagne sans connaître la pente raide de la montagne. Le rocher contient le jade sans savoir que le jade est sans défaut. C'est ainsi que nous quittons notre maison. C'est ainsi
que quitter sa propre maison doit être mise en pratique. Les moines portant le kesa développent un esprit direct et frais et demeurent éloignés de tout conditionnement. Nettoyez constamment et approfondissez ce carré de champ. Coupez directement toutes les herbes qui ont trop grandi. Atteignez la limite de toutes les directions sans souiller même un seul atome. Spirituels et brillants, vastes et éclatants, illuminant totalement ce qui se trouve devant vous. Atteignez directement cette lumière resplendissante et cette clarté qui ne peut s'entacher d'aucune impureté. Immédiatement, secouez et tirez en arrière le naseau du buffle. Bien sûr, ses cornes sont imposantes et il mugit comme une bête, mais jamais il n'endommage les pousses ni les graines de qui que ce soit. En vous promenant librement, acceptez ce qui se passe. En acceptant ce qui se passe, promenez-vous librement. Ne soyez pas limité par quoi que ce soit et ne vous arrêtez nulle part. Ainsi, la charrue ouvrira la terre dans le champ du kalpa de la vacuité. En procédant de cette façon, aucun événement ne restera obscur. Chaque royaume apparaîtra complet. La contemplation des 10 000 années commence à ne pas stagner dans les apparences. Ainsi est-il dit que la terre de l'esprit contient chaque graine et que la pluie universelle les fait toutes pousser. Lorsque l'éveil fleurit, les désirs s'évanouissent et le fruit de la bodhi est parfaitement lui-même. Le champ de la vacuité ne peut être ni cultivé ni exposé. Depuis le début, il est complet dans sa totalité, non souillé et clair dans toute sa profondeur. Là où tout est correct et totalement suffisant, atteignez l'œil pur qui illumine parfaitement tout et accomplit la libération. L'illumination inclut cette mise en pratique. La stabilité se développe en pratiquant. Naissance et mort n'ont originellement aucune racine ni tige. Apparition et disparition n'ont originellement aucun signe distinctif ni aucune trace. La lumière originelle, vide mais efficace, illumine le sommet du crâne. La sagesse originelle, silencieuse et glorieuse, répond aux conditions. Lorsque vous atteignez la vérité ultime, qui n'a ni centre ni bord,
tranchant le passé et le futur, alors vous réalisez l'intégralité. Partout, les sensations et les objets sont simplement là. Celui qui sort sa longue et large langue et transmet la lampe qui ne s'éteint jamais, irradie sa grande lumière et accomplit le grand travail de Bouddha. Dès le premier, sans emprunter aux autres un seul atome extérieur du Dharma. Clairement, ceci se passe dans votre propre maison. Éloignez-vous des troubles et faites face à tout ce qui se présente à vous. Aucun iota ne s'infiltre de l'extérieur. Les deux formes, yin et yang, possèdent la même racine et les 10 000 images sont d'une seule substance. Suivant les changements et accompagnant les transformations, la totalité n'est pas troublée par les nuages des conditions antérieures. Alors, vous atteignez les fondations de la grande liberté. Le vent souffle et la lune brille, et les êtres ne se font pas obstacle. Après, calmez-vous et faites face à votre responsabilité. La sagesse revient et le principe est consommé. Lorsque vous oubliez tout mérite, votre position est réalisée. Ne cherchez pas à occuper des positions honorables, mais entrez dans le courant du monde et rejoignez les illusions. Transcendant, solitaire et glorieux, sachez directement que transmettre est un mérite, mais qu'avoir transmis n'est pas votre propre mérite. Libérez complètement votre tête et votre peau de leur moule. N'entrez dans aucune distinction entre la lumière et l'ombre. Lorsque les 10 000 changements n'atteignent rien, c'est la racine que même 10 000 sages ne peuvent transmettre. Simplement, par vous-même, illuminez et expérimentez-la profondément d'un accord intime. La lumière originelle perce la confusion de son éclat. La véritable illumination se réfléchit loin dans l'espace. Les délibérations à propos de l'être ou du non-être sont totalement abandonnées. La merveille apparaît devant vous. Son bénéfice est transporté pour des kalpas. Immédiatement, vous suivez les conditions et êtes en accord avec l'éveil libre de toute profanation. L'esprit ne s'attache pas aux choses et vos empreintes de pied ne sont pas visibles sur la route. Alors vous êtes appelé à continuer les affaires de la famille. Même si vous comprenez complètement, s'il vous plaît, continuez à pratiquer jusqu'à ce que cela vous deviennent familiers.
vide et dénué de désir, calme et transparent, simple et authentique. Voilà la façon de couper et de clore les habitudes rémanentes de nombreuses vies. Lorsque les taches sur les vieux habits ont disparu, la lumière originelle apparaît, transperçant votre crâne, n'autorisant aucune autre chose. Vaste et spacieuse, comme le ciel et l'eau se mélangeant en automne, comme la neige et la lune ayant la même couleur, ce champ est sans frontières, au-delà de toute direction. Magnifiquement une entité sans bord ni couture. Ensuite, lorsque vous vous tournez vers l'intérieur et lâchez complètement tout, la réalisation apparaît. Exactement au moment de tout lâcher, délibération et discussion sont distantes de 1000 ou 10 000 kilomètres. Mais toujours, aucun principe n'est discernable. Alors que peut-il y avoir là à montrer ou à expliquer? Les gens qui sont tombés dans un puits sans fond trouvent immédiatement une confiance totale. Aussi nous est-il dit simplement de réaliser et d'explorer un échange mutuel. Ensuite, retournez-vous et entrez dans le monde. Parcourez et jouez dans le samadhi. Chaque détail apparaît clairement devant vous. Le son et la forme, l'écho et l'ombre apparaissent de façon instantanée, sans laisser aucune trace. L'extérieur et moi-même ne prennent le pas ni sur l'un ni sur l'autre. Simplement, dû au fait qu'aucune perception d'objet ne s'introduit entre nous. Seule cette façon de non-percevoir inclut l'espace vide des 10 000 formes du royaume du Dharma. Les gens, avec ce visage originel, devraient examiner et mettre en pratique totalement ce champ sans en négliger un seul fragment. Portant le kesa, pratiquent complètement, sans emporter avec eux un seul fil. Étincelant d'un esprit ouvert et pur, ils sont semblables à un miroir réfléchissant un miroir, sans tenir compte de quoi que ce soit d'extérieur, sans capacité d'accumuler de la poussière. Ils illuminent totalement tout, ne perçoivent rien comme un objet. Ceci est appelé se charger du fardeau à partir de l'intérieur et montre comment porter la responsabilité sur son épaule. La sagesse illumine l'obscurité sans confusion. La voix s'intègre au corps et ne reste pas bloquée. De ce refuge de liberté, s'engageant et se transformant au gré des occasions appropriées, la sagesse ne se perd pas. Clairement, la voie ne se couvre pas de taches. L'esprit de la vallée rend l'écho du son. Le maître vent marche dans le ciel, sans obstacle et libre au-delà des contraintes. Ils ne dépendent pas d'indications même subtiles, et leur esprit essentiel ne peut être éclipsé. Comblés,
voyagez et arrivez dans ce champ. Toute la place est en sécurité, toute la place est remplie de loisirs. Le champ ouvert du bœuf blanc est clair et limpide, d'une seule couleur. Même si vous chassez le bœuf, il ne s'en ira pas. Vous devez en faire l'expérience intime et y arriver. Simplement demeurez en vous-même, dans cet état de fait, abandonnez toute condition. L'esprit ouvert et brillant, sans profaner quoi que ce soit. Simplement pénétrez et abandonnez tout. Aujourd'hui n'est pas le jour de votre première arrivée en ce lieu. Depuis l'ancien refuge, datant d'avant le kalpa du vide. Clairement, rien n'a été obscurci. Bien que vous soyez naturellement, spirituellement animé et splendide, encore devez-vous avancer et mettre cela en pratique. En faisant cela, faites apparaître immédiatement chaque atome sans cacher un grain de poussière. Calmes et tranquilles, dans un repos profond, comprenez profondément. Si votre paix ne vous comble pas et que vous languissez d'aller au-delà de la vie et de la mort, il ne peut y avoir de telle place. Juste éclatez-vous et vous pourrez faire preuve de discernement sans aucun grain de poussière dans les pensées, pur sans aucune raison d'anxiété. Prenant un peu de recul, les mains ouvertes, abandonnant tout, et comprendre profondément la vie et la mort. Immédiatement, vous pouvez étinceler et répondre au monde. Soyez en unité avec toute chose. Tout endroit est naturellement juste. Ainsi nous est-il dit que des temps anciens, aux temps modernes, aucun dharma n'est caché, qu'ils sont toujours apparents et découverts. La tâche principale d'un moine portant le kesa est de pratiquer l'essence en discernant à chaque minute dans les événements la source brillante, irradiant sans aucune discrimination, de couleur unique et sans tache. Vous devez vous tourner vers l'intérieur, alors la source peut être saisie. Ceci est appelé continuez le devoir de famille. Ne suivez pas les modes qui changent. Transcendez la dualité de la lumière et de l'ombre. En accord avec les patriarches, le chemin unique a merveilleusement force de loi. Les débris résiduels du monde partent. Son influence se termine. Cette connaissance du monde ne peut se comparer à retourner à l'origine et à obtenir la certification. Votre observation s'élargissant bien au-delà de votre crâne, le centre peut être finalement satisfait et vous pouvez vous libérer de tout ce qui est transitoire.
les roseaux fleurissent sous la lune brillante. L'ancien ferry commence son passage. Le fil de jade s'encastre dans l'aiguille d'or. Alors, l'occasion de faire demi-tour se présente. Entrez dans le monde et répondez aux conditions. Toute poussière est entièrement votre. Aucun dharma n'est celui de quelqu'un d'autre. Suivez le courant et pagayez, naturellement sans obstacle. Tous les Bouddhas et tous les patriarches sans exception témoignent qu'ils sont tous parvenus à ce refuge où les trois temps, le passé, le présent et le futur, cessent et où les 10 000 changements rejoignent le silence. Droit devant, sans opposition d'un moindre atome, l'esprit du Bouddha, naturellement illuminé, pénètre subtilement la source originelle. Lorsque cela est reconnu et complètement réalisé, cet esprit communique avec lui-même et répond aux situations. Les voix scintillent et tous les êtres en distinguent la brillance. Ensuite, ils comprennent que la réalisation de soi découle naturellement de cet endroit. Les centaines de brins d'herbe des alentours n'influencent jamais ni mes causes ni mes conditions. Le corps entier, de la tête aux pieds, agit en douceur. La vacuité est sans caractéristique. L'illumination ne contient aucune souffrance émotionnelle. Avec un éclat perçant et profondément tranquille, elle élimine mystérieusement toute honte. Ainsi peut-on se connaître soi-même. Ainsi, le soi est-il complet. Depuis le début, nous possédons tous ce champ clair, merveilleusement lumineux. Beaucoup de vies de malentendus proviennent uniquement de défiance, de gêne et des écrans de confusion que nous créons dans notre scénario d'isolation. Avec une sagesse sans limite, un voyage au-delà de ça, en oubliant tous les exploits, abandonnez directement les stratagèmes et faites face à votre responsabilité. Ayant fait un tour sur vous-même, acceptant votre situation, si vous posez un pied sur le chemin, l'énergie spirituelle vous transportera de façon merveilleuse. Vivez les phénomènes avec une sincérité totale, sans un seul atome en dehors de vous-même.
De façon naturelle, tous les dharmas sont magiques au-delà de toute description. La vision parfaite ne présente aucune brèche. Dans la montagne, dans les bosquets, dans les prairies et dans les bois, la vérité a toujours été exposée. Discernez et saisissez la longue et large langue de l'enseignement de Bouddha, qui nulle part ne peut être rendu muette. Ce qui est dit est instantanément entendu. Ce qui est entendu est instantanément dit. Les sens et les objets se mélangent. Le principe et la sagesse sont unité. Quand soi-même et les autres ne sont pas séparés, l'esprit et les dharmas sont unité. Lorsque vous affrontez ce que vous avez exclu et voyez comme cela apparaît, vous devez rapidement le rassembler et l'intégrer. Mettez-le à l'œuvre en vous-même. Ensuite, établissez une assise tranquille. La voix erre dans le centre vide du cercle et atteint le point de liberté lorsque toutes les apparences sont oubliées. Le soi pur et ultime flamboie, brillant simplement de son illumination. Faisant face à la limite du monde de l'objet, sans toutefois n'élever aucune barrière par vos sens, réalisez la subtilité de comment éliminer les effets du flot tourbillonnant de l'apparition et de l'extinction. Faites uniquement confiance à la source de la création. Si vous sentez l'ombre de l'espace d'un cheveu, rien ne sera capté. Seulement expérimentez et répondez de façon appropriée. Par cet impact singulier, plusieurs milliers de routes s'ouvrent et toutes les choses sont prépondérantes. Avec cette unification, je parle avec éclat du Dharma. Le soi se divise en 10 milliards d'esprits illuminés distincts. Distinguez-les sans tomber dans les noms et les classifications, et harmonisez-vous avec eux pleinement et sans effort. Le miroir est clair et magnanime, la vallée est vide, mais rend l'écho. Depuis le début, délié de voir et d'entendre, le soi originel se détache et joue sans obstacle dans le samadhi. Lorsque cela se déroule ainsi, comment cela ne serait-il pas bénéfique? Si vraiment vous appréciez à sa juste valeur un unique rayon de lumière, alors votre œil peut bien affronter le monde et ses changements. Doué d'une vision claire, ne vous laissez pas induire en erreur. Ainsi, les 10 000 situations ne pourront vous aveugler. Le clair de lune flotte sur l'eau.
Le vent souffle sur les pins. L'ombre et la lumière ne vous troublent pas. Le vent qui siffle peut bien résonner, s'infiltrant sans peine partout. Surfant sur les phénomènes, nous harmonisant sans dévier, abandonnant complètement notre rideau de poussière, nous n'arrivons toujours pas dans notre refuge originel. Calmez les relents de votre conditionnement. Asseyez-vous, videz de toute angoisse mondaine, silencieux et brillants, clairs et lumineux, nets et prêts à tout accepter, universel et ouvert. Sans vous préoccuper des poussières extérieures, soyez comblés dans votre propre esprit. Arrivez dans ce champ et reconnaissez immédiatement les patriarches qui vous ont précédés.